Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et je fais une petite vidéo diamond painting. Alors c'est le DP, celles qui ont suivi avec ma jolie boîte, je me lasse pas de la regarder. Hein. Franchement elle est trop belle et on va faire une petite case de mon diamond painting, celui de mon partenariat, voilà, de chez Ibroderie Diamant Victoria Moon. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo. Alors je vous mets sur mes mains. J'ai mis le gilet, il y avait un super soleil, parce qu'il est 14h. Et d'un coup, il a fait toute nuit, il doit pleuvoir quelques gouttes. Enfin, c'est vraiment pas jojo comme temps. Donc voilà, je vous rappelle que voilà, c'est un partenariat avec Ibroderie Diamant. Vous l'aviez vu, hein, on reçoit, c'est très bien emballé dans une boîte en carton. C'est à 30 sur 40 en diamant rond. Et donc, j'ai fait trois cases. Alors, je voulais... Oh, il y a plein de poils de là. Oh là là, il y a plein de poils de mini, là. Sur la... Ça peut pas être de mon... Je viens de laver mon gilet, donc c'est pas le gilet. Voilà, donc on va faire un petit peu... J'ai quadrillé ma toile, mais j'ai pas mis de numéro. Hein. Donc, on va faire, hop, une par ici. Ça changera un petit peu. De faire un petit peu, mais bien devant moi, ça changera un petit peu de faire dans le bas. On avait vu quand même beaucoup le haut. J'espère que vous voyez bien parce que moi je pense que ça va aller. Alors, on va préparer les diamants. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, j'ai la petite, c'est bien aussi, la petite feuille de route. Comme ça, je regarde mes références depuis la feuille de route. Parce que là, en plus, j'ai la tablette qui est dessus. Donc, on va chercher ce qu'il faut. Donc, on a beaucoup de petites fleurs. Et je crois que c'est le 310. Donc, c'est le noir. Et c'est le numéro 4. On a des N, des 9. N, c'est le numéro 11. Vous voyez comme c'est classé, ça va quand même bien vite. On a le numéro 9, c'est le 6, donc hop, 5, 6. On a des M, c'est le numéro 2. Voilà, on a des 3, c'est le numéro 1. On a des 5. C'est le numéro 16. 16, c'est ici. On a des P, des C, des K. On en a un paquet. Hein. Les C, c'est le 30, c'est le dernier. P7. Et cherche le K. Je vois pas trop les couleurs parce que... Les couleurs sont un peu effacées. K5 et puis P7. Donc 5 et 7. On est bon. On range hop la feuille. Et donc on va commencer. Alors j'ai mis de la glue dot dans mon stylet. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors. Donc, on va commencer par nos petites fleurs et c'est le numéro 310 qui est bien connu puisque tout le monde a déjà travaillé les 310, c'est les noirs. Ah, j'ai des cœurs aussi, je ne les ai pas sortis. Ah oui, c'est les fameux noirs avec les diamants ronds et regardez, en bas, il y a des carrés. Donc, c'est les fleurs. Alors, c'est un modèle, c'est un coup de cœur. Quand j'ai vu ces jolies fleurs, c'est un peu, ouais, c'est un peu abstrait. C'est... Ce qui m'a plu, c'est vraiment les tons de couleurs. Ouais, j'ai vraiment adoré tous ces rouges, ces différents tons de rose foncé, rose clair. On dirait qu'il est en velours celui-ci. Et je me suis dit, avec ma tapisserie rouge, dans ma cuisine, il va très bien aller. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi.
J'avais trouvé une petite place avant même de l'avoir reçue. C'était vraiment celui-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, il aura sa place. Donc la toile est très très bien. J'ai pas, voilà, j'ai eu que des bonnes surprises pour le moment. Elle colle très bien. Les diamants, à part que j'ai des carrés, mais on s'en fiche un peu. Hein. Dans les diamants ronds, moi le principal c'est que il y a assez de diamants pour finir la toile, que les diamants soient bien taillés. Voilà, c'est le principal. Hein. Alors, vous savez que sur e-broderie, je vous le redis à chaque fois, mais ce n'est pas négligeable, la livraison est gratuite. Voilà, vous êtes livré en 10 à 15 jours. Et comme je vous le dis, c'est un site où vous pouvez choisir votre coup de cœur dans toutes les tailles que vous voulez et dans les diamants que vous voulez. Voilà, vous pouvez la trouver dans toutes les tailles et en diamant rond ou en diamant carré. Alors, je cherche les N. C'était quoi comme une c'était le numéro 11, un beau bordeaux foncé. Donc pour les N, je vais vous reculer un peu. Aujourd'hui, oui, je vous ai dit, on est dimanche. Oh, c'est calme, hein. Comme on a fait l'anniversaire hier, aujourd'hui c'est calme. J'ai tout rangé mes cadeaux. Voilà, j'ai rangé un petit peu la cuisine. Enfin, un petit peu, j'avais déjà rangé hier évidemment. Donc, je vous avais pas dit, hein, je vous avais dit que mon mari préparait le repas de l'anniversaire. Et maintenant que l'anniversaire est passé et que mes parents sont venus manger, ouais, la toile colle très bien, hein, très très bien. Voilà, je vais vous dire ce qu'il y avait au menu. On est tous gourmands, on aime tous parler de bouffe. Donc, je vais vous dire ce que mon mari nous avait fait. Donc, évidemment, l'apéritif, j'avais pas trop bourré parce que je savais qu'il y avait une entrée chaude. On n'a plus l'habitude de manger des entrées chaudes. Donc, et ben, il y avait des olives. J'avais fait des blénis au tzatziki. Vous savez, c'est de la crème avec des concombres. Ça, c'est très frais, ça passe très bien. Il y avait des petits saucissons. Les petits fromages, du jambon cru, vous savez, enroulé avec du fromage, les petits fromages aux noix, des chips, des petites cochonneries, des olives, je vous ai dit, enfin voilà le genre d'apéritif qu'il y avait. Et puis donc, ces blénis, c'était bon, c'était bien frais, c'est bien passé, c'était pas lourd. Voilà, et ensuite mon mari avait fait des escargots. Donc c'est lui, il en avait fait à Noël qui était très bon. C'est la première fois qu'il en faisait. Donc il a fait le beurre d'escargot. Enfin voilà, il a fait les escargots. Ils étaient super bons. Irina en a mangé 6, Mathis en a mangé 8 ou 10, je sais plus. Ouais. Il en restait 2 sur sa douzaine, il en a mangé 10. Oh, c'était vraiment un régal. On a super bien mangé, c'était très très bon. Et puis j'avais acheté du filet mignon, donc 3 morceaux de filet mignon, 3 filets mignons qui nous avaient fait en sauce forestière avec des petits gratins dauphinois individuels, vous savez, des petits gratins ronds comme ça. Et puis il avait fait des petits fagots avec du jambon cru autour des haricots verts. Et une sauce forestière où il avait fait revenir les champignons à la crème. Enfin bon, c'était super bon. Avec le filet mignon qui était très très bien cuit parce qu'il était vraiment tendre. Waouh, c'était. Ouais, on a félicité le chef cuistot. Tout était très bien. Voilà.
pour mon anniversaire, j'ai eu vraiment un bon repas. J'étais vraiment très très contente. Le gâteau, c'était un framboisier que j'avais commandé à la pâtisserie de mon Super U. Et c'était une tuerie. Voilà, des framboises énormes, pas pleines de sucre, parce que des fois, ils vous mettent du sucre glace. Je trouve que c'est dommage, ça gâche tout le goût des framboises. Là, c'était juste de la chantilly avec les framboises. À l'intérieur, c'était de la génoise avec des couches. Bon, vous savez quoi? Je vais vous montrer le gâteau. Allez, chiche. Alors, c'était hier, hein, il en reste un énorme bout que j'ai mis au frigo. Donc, vous voyez, c'était un framboisier comme ça. C'est pas zoomé, hein, je veux dire, les framboises, elles sont énormes. Il y avait la chantilly, il y avait des amandes sur tous les côtés. C'était pour 12, il était carré. Et à l'intérieur, ils ont fait leur chantilly avec la pulpe des framboises, quoi. Donc, il y avait la génoise, ils ont super bon. Franchement, je ne vais pas le manger devant vous, c'est pas que j'ai pas envie de vous narguer, c'est que je viens d'en manger un bout après manger, et que là, celui-là, ce sera pour 4 heures. On va partager parce qu'il est vraiment très très gros. Voilà, je vais le remettre au frais, maintenant que vous l'avez vu, hein. Voilà, je ne pouvais pas vous montrer, mais pas vous montrer le gâteau. Vous l'aviez vu en photo, et là, vous l'aurez vu en vrai. Mais il était vraiment, des fois on commande, on est déçu. Voilà, et tout était vraiment très bon. J'étais pas déçue du gâteau, hein, franchement. Puis on ne pouvait pas l'avoir plus frais. On a été chercher à 11h30 et il était fait dans la matinée. Des fois, on mange le dimanche, hein, quand on fait le dimanche, mais là, c'était vraiment archi frais. Donc ce matin, à midi, au dessert, il était encore super bon. On s'est régalé. C'est vrai que le gâteau, hein, c'est la note pour finir le repas, si c'est pas. Mais là, il était vraiment bon. J'ai dit maintenant, il n'y a plus à se poser de questions. On va commander les gâteaux. Je vais boire mon petit café avec la tasse que mes enfants m'ont offerte. Elle est super lourde. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle tient bien le chaud. Alors, les N, c'est bon. On va faire les. Ben les cœurs, hein, mais je ne les ai pas pris. Alors, les cœurs, 939. Mon frère, il faut du 939, il me faut le 21. Oui, c'est le 939, c'est bleu marine. Et donc, c'est les cœurs. Alors, j'ai vraiment eu un anniversaire au top, même si on n'a pas pu être, voilà, toute la famille réunie. Mais dès qu'il fera beau, on fera un petit quelque chose dehors avec ma soeur. On prend pas de risque. Voilà. Donc, quatre adultes, c'était vraiment. Pour l'intérieur, c'est pas trop. J'ai été très très gâtée. Hein. Je vous ai partagé mes cadeaux. Je sais que vous aimez bien quand je vous partage les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire. C'est un moment de partage et je sais que ça peut donner des fois des idées. Il y en a qui me demandent quels produits j'utilise, tout ça. Donc là, ben, vous saurez vraiment tout. Mes petites routines beauté, puisque moi j'adore. J'adore ce. Voilà, les produits de beauté, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le numéro 9, c'est le 6. C'est un. Waouh! Magnifique. Il est assorti à ma nappe, celui-ci. Donc, c'est les numéros 9. J'ai un code promo que je vous mettrai en lien sous la vidéo. J'ai rien y gagné, hein. Je touche absolument rien du tout. Par contre, vous pouvez avoir 10% avec mon code. Alors, ne soyez pas surpris s'il ne fonctionne pas. C'est que vous avez pris, comme je vous ai expliqué l'autre jour,
parce qu'ils ont une offre promotionnelle en ce moment, deux toiles achetées, la troisième offerte, il me semble que c'est ça. Donc, si vous avez déjà une toile offerte, le code promo de 10% ne fonctionnera pas. Les offres ne sont pas cumulables. Hein, c'est souvent comme ça. Par contre, si vous achetez des toiles qui ne font pas partie de, pour avoir la troisième gratuite, si vous achetez une toile, le, ou 50 toiles qui ne font pas partie de l'offre, vous pouvez bénéficier du code promo de 10%. Il faut l'entrer donc au moment de payer. Hein. À la fin, vous entrez le code promo, vous faites ce que vous faites un copier-coller. Comme ça, vous ne vous trompez pas s'il y a des espaces ou je ne sais plus quoi, il y a des chiffres, je crois. Voilà, copier-coller, entrez votre code promo et vous entrez le code. Vérifiez bien qu'au moment de payer, il y a eu une petite réduction de fait avec les 10%. Après, quand c'est validé, hein, c'est trop tard évidemment. Donc, mais ne vous affolez pas si ça ne marche pas, c'est que vous avez déjà bénéficié de la troisième toile offerte et qu'ils ne veulent pas vous mettre les 10% en plus. Alors, je me mets ma main, c'est pour la lumière. Et 10-15 jours, vous avez votre toile. Il me semble que c'est Colissimo ou colis privé, mais en tout cas, c'est il y a un suivi qui est très très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le M, est-ce que je les avais pris les M? Oui, je n'ai même pas plus de temps si je vous ai préparé celui-là maintenant. Cent cinquante-quatre, c'est le 2. Si je l'ai pris, c'est un beau violet foncé, magnifique. Donc c'est les M. J'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est derrière nous, donc maintenant place aux vacances. On va lâcher un petit peu du lest. Même s'ils n'étaient pas avec Matisse, on faisait vraiment quand il avait. Parce que j'en avais marre, tellement marre de gueuler, c'était vraiment de m'énerver que j'ai envie de vous dire que c'était presque pas la demande, hein, parce qu'il n'aurait pas demandé pour faire les devoirs, mais quand il avait envie, parce que. Et puis, si les devoirs n'étaient pas bien faits, ben, il n'y a pas de console. C'est comme ça. On était obligé d'en arriver là. Et il y avait des problèmes à recopier aujourd'hui. Alors c'est, on va bientôt être à. Je rigolais encore avec mon mari hier parce que moi je me rappelle des. Bon, j'étais possédée, puis c'est un peu plus loin, mais Jérémy a rempli sa baignoire qui fait 25 litres. Il a rempli les un tiers de la baignoire. Combien de litres d'eau a mis Jérémy dans sa baignoire? Qui n'a pas eu ce problème de maths là? Bien merdique. En ce temps-là, je me souviens que je ne rigolais pas devant ce problème. Mais maintenant, voilà, c'est un peu culte comme Where is Brian? Brian is in the kitchen. C'est pareil. Maintenant, on l'entend, on rigole. Avant, on n'avait pas trop envie de rigoler quand il fallait apprendre la phrase. Maintenant, là, c'est par cœur. Mais ouais, c'était pas trop de la rigolade, c'est de voir à la maison. Mais c'est fait, donc c'était des petits problèmes. Léo a mangé 8 crèmes. Non, il y a 13 crèmes dans le frigo. Léo en a mangé 8. Combien y en reste-t-il? Enfin voilà. Un livre coûte 5 euros. Il veut racheter un album avec sa monnaie. Enfin bref, c'est un petit peu ça. Bon. Donc, il n'y avait plus qu'à recopier les opérations et faire une petite phrase. Donc, ça a été quand même. Je regarde parce que les dièses, il y a des vrais dièses et des faux dièses. Hein. Alors, oh là là, il faut vraiment que je. Je peux même pas le réimprimer, on verra rien. 25, c'est le faux dièse. Et le vrai, je pense que c'est le 22. Donc, on va déjà faire le vrai. Ah ouais, Brian is in the kitchen. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Donc 22, c'est les dièses. Ils sont juste là. Vous êtes un peu loin de moi, mais comme c'est une case du bas. Hein. Vous
Donc voilà les nouvelles. Ah, il a appris sa poésie, là c'est très bien. Je l'ai félicité. C'était Dame la pluie. C'était vraiment. Oui, il l'a sait. Bon. Il s'est acheté des mangas, donc il lit. Je sais que tous les jours il lit, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a les faux dièses. Je vous avais dit que c'était le 25. Il est là. C'est un bleu nuit, mais un petit peu gris. Oh là là, il est magnifique. Quand je dis les faux dièses, en fait, c'est qu'ils ont deux barres horizontales et qu'une seule barre au milieu verticale. Ils ont trois barres au lieu de quatre. Mais des fois, ça se ressemble vachement. Non, je n'étais pas obligée de faire des cases, mais comme ça me permet de voir l'avancée. Ce que j'ai fait, même si ce n'est pas un énorme, hein, c'est un 30-40, donc c'est bien. Alors, c'est un vrai 30-40, sans les bords. Hein. Voilà, c'est ça aussi chez Broderie. C'est pas comme chez les autres partenariats, Gutfeld, Nuomi, tout ça. Quand ils vous donnent la toile 30-40, c'est 30-40, la vraie image, quoi. Donc, c'est les vrais 30-40, j'ai envie de vous dire. Alors, on a des deux, grands deux, ceux que j'ai utilisés, j'aurais dû les mettre de côté. C'est le numéro 13. C'est un bleu foncé aussi. Vous voyez, il n'y a pas que du rouge, hein. Donc, c'est les deux. Les grands deux en chiffres. Voilà. Romain. C'est bon. On va mettre là ce coup-ci. Alors, on avait des numéros 3 qui avaient déjà été pris. Mais vous voyez. Des 5, donc c'est le 16. Et des numéros 3, c'est le 1. Donc, le 1, il est là et le 16. Voilà. Donc, le 1, on va le faire. Et c'est des numéros 3. C'est un petit framboise. Oh, il est super joli. Des belles couleurs. Alors. Moi, j'en ai pas beaucoup de 3. Je pensais que j'en avais plus que ça. Non, apparemment, c'est tout. Donc, les 3, c'est bon. Alors, je vous ai dit, il y avait des numéros 5. Celui-là, c'est vraiment le, voilà, le framboise, voilà, un rose. Donc, on y va. Avec les numéros 5. Vous entendez que la colle, elle colle très bien. Et là, j'ai de la gludote, ce que j'ai mis de la dernière fois. Là, j'en ai pas remis avant la vidéo.
Alors, je crois que c'est bon les 5. Vraiment un mélange de couleurs, superbe. Hein. Les cas, le seul que je les ai préparés, c'est le numéro 5. C'est du gris. Les cas. C'est confetti hein, quand même, pour dire que là c'est un carré en plus du bord. Du fond, on a quand même pas mal de différentes couleurs. Hein. On n'a pas compté combien j'ai pris de... Il y en a vraiment beaucoup, le changement de couleur. Les cas, ça m'a l'air bon. Je vois qu'on a beaucoup, pas beaucoup. On a des G, on a les C aussi qui avaient déjà dû être préparés. C'est le dernier, c'est le 30. C'est les C. On y va. Ici, j'en ai aussi par ici. Alors je me suis dit chouette, il fait beau, on va bientôt faire les vidéos dehors. C'est vrai que c'est agréable le soir, j'aime bien filmer dehors quand il n'y a pas les voisins qui font le bazar. Et mon mari m'a dit, ils ont loué les appartements là qui sont à côté. Il y a des raquettes qui atterrissent dans notre herbe. C'est déjà le gros bazar alors qu'on n'est pas au beau jour. Ça hurle, mais ça hurle, ça hurle. J'espère que je pourrai quand même faire des petites vidéos dehors. Je sais que vous appréciez beaucoup ces petits moments. D'entendre les petits oiseaux. Les gros avions qui passent, puisqu'on a l'aérodrome pas loin. Les cloches de l'église. C'est vraiment... C'est très calme. Mais ça change. J'adore faire mon DP dehors. Le soir, moi je regarde pas la télé, donc je reste dehors. Mais bon, je ne suis pas la seule à avoir cette idée, évidemment. Donc des fois, c'est, vous avez vu l'année dernière, c'était vraiment bruyant. J'étais obligée de couper sans arrêt. Des fois, c'était pénible. Mais c'est comme ça. Pourtant, je suis dans une maison, mais à côté, on a une maison qui a été refaite. Et ils ont loué, donc ils louent des appartements. Ça, c'est l'épée. C'est un petit gros saumonnet, un peu. Hein. Donc, ça, voilà. Puis là, il y a des enfants. J'ai rien contre les enfants, puisqu'on a les nôtres aussi. Mais il faut, on est trop con parce qu'on dit toujours doucement. Il y a des voisins qui veulent se reposer. Doucement, attention. Puis en fait, les gosses des voisins, ils font encore plus de bruit. Surtout quand les enfants sont dans la piscine et puis que voilà, ils s'éclaboussent, ils jouent, ils sont contents. On leur dit toujours de faire doucement, mais en fait, quand on voit le gros bordel que c'est après, on se dit merde. Nous, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas le droit de crier trop fort et puis les autres se gênent pas, quoi. Donc. Je crois que l'épée, c'est bon. Alors, c'était ça.
J'avais dit que j'avais des G, c'est le numéro 29. Donc ça, c'est pas, je sais que c'est pas prêt, puisqu'il est là. Oh, regardez. Hop, les G. On y va. Je voulais pas mon linge dehors, mais c'est pas la peine. Quand la machine a été finie, j'ai vu que tout était assombri. J'ai rallumé la lumière, j'ai dit c'est pas la peine. Et là, je crois que je dois plus voir. Il fait tout nuit. Ils avaient annoncé. Aujourd'hui, ils avaient annoncé. Et puis, ils n'ont pas annoncé du beau. Donc, je pense qu'il y en a pour un moment. Encore un dans le coin. Voilà. J'ai donc léger, apparemment. C'est bon. Alors, on a quoi d'autre? Alpha dièse que j'avais fait mais que j'ai dû en oublier, le 25. Je vois qu'il y en a deux là. Deux. Voilà. Alors, on a des lunes. Des symboles, je vois pas trop ce que c'est. Alors, des lunes. On a une étoile, je crois, non? Oui, 17. On va la prendre. Ben voilà. La lune, c'est le 8. Hop. Et là. Des flèches comme ça, c'est le 10. Et voilà. Des R, on a dit, oui, le 18, est-ce qu'il n'est pas sorti, non? 17, 18, donc on va bien faire ça. Donc le 18, c'est un gris foncé, bleu. Et donc, c'est les R. C'est vrai que la feuille de route, quand les symboles sont pas très bien imprimés, on est, au bout d'un moment, on n'y voit plus rien du tout. Hein. Ouais, il pleut, j'entends les voitures qui passent là, et on entend que ça roule dans les flaques. Voilà, le 17, on a dit que je crois que c'était la lune, non, l'étoile, j'en ai qu'une. On va la prendre comme ça quand même. Voilà. J'avais mis de côté aussi la lune, là voilà, c'est un vert foncé, j'en ai quelques-unes à faire de lune, il y a beaucoup de couleurs hein, franchement, hein. Je crois que c'est tout. Voilà. Alors, on a les fameuses flèches. Je les ai prises. Je crois que c'est le 10. Il est là. Donc, les fameuses flèches. On aura les A et les Q. C'est presque un marron rouge, quoi. Il n'est pas marron. Donc, les flèches, c'est tout bon. Alors, les A et les B. B, c'est le numéro 3. Le A, 28. Bon, je regarde déjà là, si je l'ai sorti, c'est fort possible. Le 3, apparemment. Mais voilà, le 3. Donc, le 3, c'est les B. Mmh.
Alors, les baies, ouais, j'en ai quand même. Pas sorti pour rien. Ça valait le coup. Les baies. Alors, on a les A, je vous ai dit. 28. Je ne remets pas toutes ces couleurs pour une case. Vraiment, je crois qu'on a pris pas mal. C'est pas que je crois, c'est que je suis sûre, mais on aurait dû quand même, j'aurais dû regarder par curiosité. Le A, c'est bon. Alors, on a les fameux. Les Q, c'est le 26. Donc, c'est un gris anthracite. Oh, j'adore ces gris. C'est vraiment les gris foncés, foncés. Allez, les queens. Et quand il y a beaucoup de couleurs, voilà, hein, on ne peut pas dire combien de temps on met pour faire une case. Oups, mais quand il y a beaucoup de couleurs, ben, ça prend du temps. Hein. Tous ces changements. M. J'ai sorti les M. Je repasse la feuille, absolument. C'est le numéro 2. Il est là. Donc j'en ai deux. J'ai les numéros 3 et 4. Il me semble que ceux-là, par contre, je les avais sortis. Un des deux, moi. Le 4, 27. Et le 1. Ouais, donc le 1, on l'a servi. Voilà, c'est pour le numéro 3, donc j'en ai qu'un, mais je vais quand même le mettre là-dedans. Hop, voilà. Et on a le 4. Je vous ai dit que c'était le 26, je crois. Non, le 27. C'est un 1, comme ça. Alors, je n'oublie pas avant de ranger tous mes trucs. Le petit coup. Non. Ça prend 2 minutes, 2 secondes même. Voilà. Même si ça bouge jusqu'à la prochaine fois, au moins je sais que là, ils sont bien mis. Voilà la case du jour. Alors, vous voyez, il y a des symboles, je vais vous montrer, qu'on ne voit pas très très bien. Franchement, là, il y a des symboles qu'on ne voit pas du tout. L'éclair, ça va, mais s'ils sont dans une case foncée, ce n'est pas la joie quand même. Donc, je vais ranger tout mon petit bazar. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je ne vous aurai pas trop donné envie avec mon gâteau. Je suis désolée si c'est le cas, mais je voulais quand même partager avec vous, ben voilà, vous montrer le petit gâteau. Et puis, continuez à faire attention, à prendre bien soin de vous et de vos petites familles. C'est très important. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que je vous mets le lien direct pour le site Victoria's Moon e-Broderie. Je vous mets les deux. Et je vous mets le code promo de 10% si vous avez un coup de cœur. Voilà, et si vous voulez passer commande. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!